Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Là il est, attendez je regarde l'heure, il est 3h du matin et j'entends quelqu'un pleurer dans la chambre de Lily Rose. J'ai super peur, là je viens de me rhabiller parce que je pense qu'on va devoir sortir de la maison. Là à mon avis il est en train de se passer un truc de fou en ce moment. Pour tout vous dire, Lily Rose elle est pas bien du tout. Elle arrête pas de me dire ah en ce moment ça va mal, je vois plus mes amis, il y a plein de trucs qui vont pas, etc. Et là j'entends, attends mais c'est quoi, c'est une voix grave là? On dirait un homme qui pleure. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Lily Rose? C'est toi qui pleures? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? Non mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi tranquille. Non mais c'est pas possible. Eh oh, Lily Rose, Lily Rose, qu'est-ce que tu fais en dessous de la couverture? Lily Rose, ah, arrête, va-t'en. Mais Peppa Pink, laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi, je te dis, je veux pas te voir. Mais c'est une blague. Et puis regarde, c'est quoi ça? Non, je veux pas savoir. Allez, quoi, tu veux pas savoir? Et non. Elle est où, Lily Rose? Elle est censée dormir à cette heure-là. J'en sais rien. Elle est plus dans sa chambre. J'en sais rien. Attends, mais qu'est-ce que tu veux avec ce truc? Ah, mais t'es fou ou quoi? Bah non. Tu pouvais me le dire plus tôt qu'il était brûlant. Bah attends. Oui. Ah, c'est toujours pareil. Non, mais de quoi, c'est toujours pareil? Des trucs toujours. Non, mais c'est pas possible. Attends, reste là. J'arrive. Lily Rose? Bizarre. Lily Rose? Oh mais t'as dû l'effrayer déjà qu'en ce moment elle est pas bien. Alors avec des adultes comme ça à la maison, comment tu veux que ça aille mieux? Bon, les amis, il est effectivement en train de se passer un truc très étrange. Lily Rose est plus dans sa chambre. Et bah du coup, vous avez vu en même temps que moi, il y a Peppa Pig qui est en train de pleurer. Et juste à côté de lui, il y avait un Pop-It. Il est brûlant. J'ai essayé de le toucher. Enfin, je sais pas si c'est brûlant ou pas. Mais ma main, elle a été expulsée du... Bon, arrête. On va plus essayer de le toucher. Bouge d'ici. Allez. C'est trop ce qui se passe. Je vais t'emmener à l'hôpital. Allez, je vais t'emmener à l'hôpital, là. Il faut... T'as un problème de santé à régler. On n'est pas comme ça par hasard. Bon. Je vais t'emmener à l'hôpital psychiatrique là. Non, non, pas. Si. Non, mais et ça là? Bon, j'explique. C'est pas bon, je vais à la voiture, je reviens dans 2 minutes, je vais préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir partir. Bon, les amis, je vais l'amener à l'hôpital. Restez jusqu'à la fin là, il faut suivre ça. Bon, les amis, je vais préparer la voiture. Il faut qu'on parte à l'hôpital là, ça devient urgent. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est une blague là, tu vas réveiller tout le monde. Non mais c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Non mais tu me fais une grosse blague, c'est un prank ou quoi cette situation? Oui, c'est la sœur à ton père. De quoi? De quoi? Non mais... Il est devenu un peu foufou ton papa là, ah bah je oui, crois. Il est devenu fou là, il est totalement devenu fou. Alors ce que je lui ai fait, c'est que j'ai jeté un sort au Pop-It et quand il a voulu le prendre, et eh ben le Pop-It il était tout chou. Ah c'est toi qui as jeté un sort au Pop-It? Bah oui, qui veux-tu que ce soit? Ah non mais je comprends tout. Non mais c'est une blague, tu veux vraiment gâcher notre vie? Eh ben oui. Là, tu fais quoi? Non mais tu vis dans notre voiture? Eh ben oui, moi j'ai... Voilà, vous avez pas voulu que je dors chez vous, alors je suis allé dans la voiture. Et non, puis c'est voilà. Une blague, tu fais tout pour nous gâcher la vie là. Et en plus, j'ai besoin de cette voiture. J'ai besoin de cette voiture parce qu'on doit aller à l'hôpital. Eh ben non. Ah bah oui, si il est devenu totalement fou, il faut régler son problème. Attends, tu pourras pas y aller car c'est moi qui ai les clés. Ah oui, t'as récupéré les clés de la voiture, carrément. Les clés de la voiture. Mais vas-y, ouvre, ouvre-moi. Non. Ah, mais non. Je vais pas rester avec toi dans la voiture. Tu vas me tenir compagnie, tu vas me raconter tes histoires de je sais pas trop quoi. J'ai aucune histoire à te raconter, je veux juste sortir pour prévenir Peppa Pink. Et à cause de toi, Lily Rose va très mal en ce moment. Bah de toute façon, Peppa Pink, il est déjà un peu fou, alors le sort, il va se terminer bientôt. Ouais, n'importe quoi. Ouvre-moi, j'en ai marre. Là, avec tout le bruit qu'on fait, on va réveiller tout le voisinage. Bon, on va encore se faire remarquer. Allez. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Bon, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Rien. Allez, oh, va-t'en. Non, mais il faut que personne voit cette situation-là. La honte, il y a des voitures qui passent en plus. Qu'est-ce que tu fais? Et dormir. Pense à nous rendre la voiture demain. J'abandonne l'hôpital pour cette fois. Je vais m'occuper de Peppa Pink. Mais pas question que ça se sache. Et évite de faire du bruit surtout. De toute façon, tu crois pas que je vais rester ici? Je vais venir chez vous et puis je vais aller dormir, ouais. J'en ai marre. Non mais... On garde une place pour toi dans la niche du chat. Non. Ah bon, les amis, je vais faire un tour dans la rue parce que j'en peux plus.
Je sais pas comment je vais annoncer ça à Peppa Pink, là. Déjà qu'il est devenu totalement dingue. Alors là, je pense qu'on est... on est foutus. Et dans quel état on va récupérer notre voiture aussi? Elle aura fait pipi partout. Oh. Oh, j'en peux plus. Oh là, mettez un like pour me soutenir. Parce que c'est trop. C'est trop. Non, je veux pas te voir. On peut pas aller à l'hôpital. Stop, calme-toi. Bon. On peut pas y aller. Heureusement, parce que j'avais attends, pas... Non, tu connais pas la suite. Il y a la sorcière qui habite dans la voiture. Ah, je te jure. Comment ça, elle est dans la voiture? Elle avait carrément une couverture, un coussin. Elle habite dans notre voiture. Ça doit être à cause d'elle que le popitier est brûlant et que Lily Rose, elle est pas là. Ah ouais, non, bah en ce moment, Lily Rose, d'ailleurs, je l'ai pas, j'ai toujours pas vu. Elle est pas dehors. Elle est pas dans la maison. T'as dû lui faire peur avec ton comportement, tu te rends compte? Ouais, C'est pas un comportement de parent, ça. C'est un comportement d'enfant de mais deux non, ans, mais même non, pas, arrête, quoi, de fou, quoi. Ça m'a étonné. Non, mais c'est sûr. Bon, je sais pas ce qui est en train de se passer. Si c'est parce que la sorcière, en ce moment, bon, vous savez, pour ceux qui suivent la chaîne, qui ont suivi la chaîne là ces dernières semaines, on est parti en vacances chez la sorcière. Ensuite, on est parti. Elle nous a virés de chez elle. Et depuis, elle s'ennuie. Du coup, elle essaie par tous les moyens de venir habiter chez nous, de dormir chez nous, de dormir dans la chambre de Lily Rose, de dormir dans ma chambre, de dormir à la cave. Ah ouais, elle et elle essaie de nous pourrir la vie. J'en peux plus. Elle est dans la voiture. Et du coup, à mon avis, c'est elle qui a rendu ce popit brûlant pour te faire mal. Hein, j'en sais rien. Attends, il est encore chaud. Ah! Elle rigole en plus. Ah bah oui, elle se moque de toi, hein. En même temps, t'as vu dans quelle situation tu te mets? Et comment ça se fait qu'elle est dans ma voiture? Bon, allez, descends de là. Oh, j'en ai assez. Retrouve Lily Rose. Il faut régler cette situation-là, je veux plus... Je vais l'appeler d'ailleurs. Je veux plus passer des nuits où à 3h du matin, on se réveille tous, ça court dans la maison, Lily Rose s'enfuit parce qu'elle en a marre. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette situation va se régler prochainement. Si vous voulez suivre nos aventures, bah, vous savez ce qu'il faut faire. S'abonner, activer la cloche et surtout bah, aller regarder d'autres vidéos si vous les avez ratées. Il y en a une qui apparaît ici et après il y en a plein. Il y en a des centaines sur la chaîne. Donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas une seule seconde. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bon, c'est bon, maintenant tu peux sortir là. Mais t'es encore là toi? Ah bah oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, dehors. Je peux venir dormir à chez toi? Non, sors de notre voiture, là, s'il te plaît. Bon, je vais venir dormir chez toi, là. Bon, allez. Allez, dehors. Hop là.